Google Classroom est un système de gestion d'apprentissage, en anglais Learning Management System, qui nous permet d'avoir un emplacement central pour communiquer avec les apprenants, concevoir des cours, soumettre des devoirs, et les apprenants peuvent traiter ces devoirs et ramasser leurs copies, et l'enseignant peut corriger ses copies et donner les notes aux apprenants. Alors, dans cette vidéo aujourd'hui, je vais d'abord vous amener sur la plateforme de Google Classroom, et nous allons, dans une première partie, créer un compte pour enseignants. Et après cela, nous allons inviter les apprenants à nous joindre. Et quand nous avons les apprenants dans notre système, alors nous allons créer un cours et nous allons envoyer ce cours aux apprenants. Ils vont suivre le cours. Nous allons aussi composer des devoirs. Les apprenants vont traiter ces devoirs et soumettre leurs copies. Une fois que nous avons ramassé leurs copies, nous allons les corriger et leur donner les notes. La première des choses que nous allons faire, nous allons ouvrir le navigateur afin d'accéder à l'interface de Google Classroom. Et pour le but de cette vidéo aujourd'hui, nous allons utiliser le navigateur appelé Google Chrome. Le voici. Alors, voici les profils qui sont associés à mon navigateur Google Chrome. Et pour commencer, nous allons utiliser ce profil qui va aussi servir du compte de l'enseignant. Alors, je vais l'ouvrir. Ok. Alors, j'ai mon navigateur Google Chrome ouvert ici. Et comme vous voyez, voici le compte utilisateur. Alors, c'est ce compte qui va servir comme le compte enseignant pour la création de notre salle de classe. Ok. C'est bon. Alors, pour accéder à l'interface de Google Classroom, d'abord, il y a deux manières. Si vous êtes déjà dans votre compte comme moi, alors dans ce cas, vous allez sur le lanceur d'application ici et vous parcourez la liste pour trouver Classroom. Le voici. Mais ce n'est pas évident que vous allez le voir chez vous, surtout si vous ne l'avez pas utilisé par le passé. Alors, dans ce cas, pour accéder à Google Classroom, alors vous pouvez saisir l'adresse dans la barre d'adresse ici. Alors, une fois dans la barre d'adresse, nous allons saisir google.com/classroom et puis on valide. Ok. Comme moi, je suis déjà dans mon compte Google, tout est lié. Mais dans votre cas, si vous traduisez ça comme ça et vous ne voyez pas cette interface, sûrement on va vous demander de saisir votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Alors, vous mettez votre adresse email Google et puis votre mot de passe et vous allez aussi aboutir sur l'écran, sur cet écran. Ok, maintenant ici, on me demande si j'aimerais continuer avec ce compte d'utilisateur. Alors, moi, je vais dire oui et on continue. Ok, c'est bon. Alors, nous voici sur l'interface de Google Classroom. Et ce que nous allons faire ici, nous allons créer une classe, une salle de classe qui va servir pour nos cours de vacances. Alors, dans cette vidéo, nous allons apprendre comment créer une salle de classe avec Google Classroom. Et nous allons aussi inviter les étudiants à nous joindre. Et nous allons préparer les devoirs, les envoyer et ils vont aussi les traiter et nous allons aussi noter ses devoirs. Alors pour commencer, comme vous voyez ici, on me demande de créer un cours. Bon, comme je suis l'enseignant, alors je vais aller sur créer un cours. Mais supposez que si j'étais dans mon compte étudiant et le cours existe déjà, alors je vais aller sur rejoindre un cours. Mais nous allons commencer à zéro, alors nous allons aller sur créer un cours. On accepte et on continue. Alors ici, je vais nommer mon cours. Ok, et bon, j'ai aussi préparé mon test d'avance ici. Permettez-moi de l'ouvrir. Alors ici, je vais nommer le cours par rapport à ce que j'ai ici. Ok, alors je copie. Bon, cours de vacances, c'est tout. Copier, et puis maintenant je colle ça ici.
Ctrl V sur mon clavier pour coller. Okay? Alors, c'est ce qui est important ici. Je peux toutefois aussi donner une section, donner la matière, donner aussi la salle. Okay? Si vous voulez, vous allez les remplir. Mais pour ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, ce n'est pas nécessaire. Peut-être ici, je vais mettre le C en majuscule. Cours de vacances. Alors, je fais créer. Ok, mes chers amis, c'est ça, je viens de créer mon cours, et c'est ici cours de vacances, et vous voyez, c'est le même utilisateur, celui mon compte utilisateur Google que vous voyez ici, celui-là aussi qui est associé ici, ok. Alors, permettez-moi de vous expliquer brièvement cette interface. Ce que vous voyez en haut ici, il y a quatre options, ok. Il y a flou, il y a travaux et devoirs, il y a participants, et puis il y a notes. Et une fois encore, comme nous sommes dans le compte de l'enseignant, alors si on revenait sur flou, vous allez voir que ici, je peux envoyer des messages à mes élèves et puis on peut se communiquer à travers cette interface ici que nous appelons flou, okay, ou encore stream en anglais. Okay. Je peux aussi personnaliser l'interface de mon cours. Alors pour le faire, je viens ici personnaliser et puis il y a les photos. Bon, je peux remplacer cette photo. Alors, je viens ici et il y a, voici ce que Google a déjà mis en place par défaut. Alors je peux aussi parcourir et chercher quelque chose que je préfère, ok. Ou encore on garde tout simplement. Puis bon, je pense qu'on peut continuer avec celui-ci, ok. Je vais maintenant sélectionner, ok. Alright. Et si vous voulez, vous pouvez aussi importer une photo de votre ordinateur. Ok, cette photo va servir de photo d'arrière-plan. Ok, c'est tout. Et vous pouvez aussi changer les couleurs. Ok, pour le thème quoi. Alors bon, moi je peux continuer avec couleur orange. Et vous voyez que le test a changé du bleu vers l'orange. Et vous faites enregistrer. Ok, je fais ceci uniquement pour vous montrer comment personnaliser, mais c'est votre goût, à vous de choisir ce que vous voulez. Et puis je fais enregistrer. Ok, alors mes chers amis, je viens de configurer ma salle de classe. Alors ce que nous allons faire, nous allons inviter les participants, ou encore nous allons ajouter les élèves, ok. Et pour le faire, bon, d'abord nous allons aller sous participants. Il y a au fait deux manières de le faire. Alors la première méthode, nous allons sous participants. Ok, comme vous voyez sous participants, vous allez voir que sous enseignant, il y a Monsieur Dominique Adabi. Alors c'est lui qui va enseigner ce cours aujourd'hui. Et puis sous élève, il n'y a rien. Ok. Si on était deux personnes à enseigner le cours, je peux toutefois venir ici et inviter d'autres enseignants à me joindre. Ok. Mais bon, je vais garder ça ici pour que ça soit plus simple dans cette vidéo. Et maintenant sous élève, je vais inviter mes élèves à me joindre. Ok. Je pouvais le faire à partir d'ici ou simplement cliquer sur ce bouton. Inviter des élèves. Okay. Et je pouvais copier ce lien et les envoyer ça par WhatsApp et autre de cliquer, ou encore je peux les inviter à travers email. Alors moi je vais essayer avec email. Alors je vais saisir le nom ou l'adresse email de mes élèves. Okay. Alors je pense que bon, je vais voir si j'ai une élève ici que je peux inviter. Oh, ok, je vais inviter cette personne. Alors en fait c'est mon assistante, elle est dans l'autre bureau. Alors elle va faire cette vidéo avec moi. Moi je vais créer mes exercices tout ici et je vais l'envoyer et elle va aussi les traiter et vous allez aussi voir le résultat. Alors moi je vais l'inviter par email et je fais voici son adresse email. Alors je fais inviter. Alors automatiquement elle serait appelée à me joindre sur cette salle de classe. Ok, vous voyez c'est invité. Alors si elle rentre dans son compte Gmail maintenant, elle va avoir un message et puis si elle clique sur ce message, il y aura la possibilité de joindre ma salle de classe. Ok, la deuxième méthode c'est aussi simple. Alors si je revenais sous flux, et vous voyez ici, c'est le code du cours. Alors, il suffit simplement de copier ce code et l'envoyer à n'importe qui. Et la personne pourra maintenant joindre ma classe avec ça. Alors, je peux cliquer ici pour l'afficher plus grand. Et maintenant, je peux copier le code comme ceci.
puis en utilisant CTRL-C sur mon clavier, je le copie. Okay. Je pouvais aussi copier le lien, mais je préfère utiliser le code. Alors, j'ai copié le code, je ferme. Ce que je vais faire, je vais aussi inviter un autre élève et bon, je vais l'inviter par code. Et je vais d'abord ouvrir mon navigateur Google Chrome et je vais utiliser ce profil d'utilisateur ici comme un élève. Dans ce cas, je peux aller revenir et vous allez voir comment ça s'affiche sous mon compte d'enseignant et sous mon compte élève. Alors, j'ai choisi cet utilisateur. Vous voyez, alors voici son compte Google et vous voyez ici. Okay. Lui serait, je vais l'ajouter comme un étudiant. Alors c'est simple, maintenant que je suis dans son compte, je fais la même chose comme j'avais fait pour rentrer dans le mien. Alors je vais dans la barre d'adresse, je saisis google.com barre oblique vers avant classe, je valide. Et la même chose, on me demande si j'aimerais avancer avec ce compte utilisateur. Je dis oui. Et ici maintenant, au lieu d'aller sous créer un cours, comme c'est un étudiant, alors nous allons aller sous rejoindre un cours. Alors quand je clique sur rejoindre un cours, le code que j'avais copié de l'autre côté, je peux maintenant coller ce code ici, comme avec Windows CTRL V sur mon clavier. Alors voici le code. Et automatiquement que je l'ai collé, vous avez vu qu'en haut ici, on me dit rejoindre le cours. Alors si je clique oui, alors lui aussi, il est automatiquement invité à joindre ma salle de classe. Vous voyez, c'est la même salle de classe que j'ai créée. Alors si je vais sur participant, okay, vous allez voir que il est enseignant, je suis son enseignant et il voit aussi d'autres élèves. Alors voici l'autre élève ici. Ok, alors je retourne sur flou. De la même manière, lui aussi il peut écrire sur flou. Par exemple, si il écrivait peut-être bonjour. Ok, puis maintenant je vais publier. Ok, ce qu'il a écrit là-bas est public. Alors tout le monde qui est associé à ce cours va voir cette phrase ici. Alors je vais réduire cet écran d'étudiant et nous allons retourner dans le compte de l'enseignant et on va continuer la configuration là-bas. Alors je minimise ceci en attendant. Ok. Alors nous voici de retour sur le compte de l'enseignant. Et si je réactualisais mon écran, vous allez voir que le commentaire que l'élève a laissé s'affiche ici. Ok, je n'ai pas besoin de ceci pour le moment. Alors voici. Ce qui veut dire que s'ils étaient 100 élèves, ils peuvent me contacter directement avec cette interface. Pensez à ça comme votre fil d'actualité sur Facebook. C'est la même chose. Ok. Alright. Alors je vous ai appris comment vous pouvez d'abord créer un cours avec Google Classroom et puis comment vous pouvez inviter les étudiants. Alors vous pouvez soit le faire avec email ou encore vous pouvez le faire avec en copiant le code et en le distribuant. Ok. Alors si je retourne une fois encore sur participant ici, vous allez voir que maintenant c'est affiché. Comme moi je suis l'enseignant, alors je vois tout. Ok. Alors vous voyez ici qu'il y a les deux élèves qui sont associés. Ok. Il y a un enseignant et il y a deux élèves. Ok. Alors dans cette vidéo, je vais utiliser ces deux élèves et puis je vais essayer de créer des activités que je vais les envoyer, ils vont les traiter et soumettre et je vais aussi les corriger pour que vous voyez comment vous pouvez travailler avec Google Classroom. Alors si vous êtes enseignant et puis vous avez vos élèves dans votre classe et vous faites les leçons, vous leur donnez des devoirs, ils traitent ça et puis ils ramassent les copies, vous corrigez, vous les remettez. Au fait, c'est de ça que nous parlons aujourd'hui, sauf que cette fois-ci, vous pouvez le faire d'une manière virtuelle. Ok. Alright, alors c'est bon, nous avons vu les participants. Alors si en évoluant, vous allez voir que quand je leur donne des exercices et ils traitent, leurs notes seront aussi placées ici. Pour le moment, il n'y a pas de devoir, alors il n'y a pas de notes non plus. Ok, alors on retourne sous flux. Ok, maintenant ce que nous allons faire, je vais passer à la conception de nos activités. Alors pour le faire, je vais aller sous travaux et devoirs.
Alors, sur cette interface, nous allons créer nos activités. Au fait, ce que Google Classroom fait pour nous, c'est qu'il met ensemble Google Agenda et puis Google Drive. Okay? J'ai fait plusieurs vidéos sur cette chaîne vous expliquant comment fonctionne Google Agenda, comment fonctionne Google Drive. Alors, ces deux choses associées ensemble nous permettent maintenant de partager nos activités. Okay? Alors, au fait, c'est tout ce que nous allons faire. Quand nous allons créer une activité ici, elle sera automatiquement liée dans notre Google Agenda qui est déjà distribué avec les étudiants et quand nous allons créer les devoirs et autres, les activités dans l'ensemble seront maintenant enregistrées sur notre dossier Google Drive. Ok. Alright. Alors pour commencer, nous allons bien sûr aller sur créer. Okay. Et ici, la première des choses que nous allons faire, je vais faire une leçon sur la géographie, l'histoire et la géographie du Togo. Alors, ce que nous allons faire, je vais donner un lien avec pour un article et puis les élèves peuvent lire l'article, comprendre et maintenant revenir et répondre à des questions sur notre questionnaire ici. Alors, je vais commencer avec un devoir, mais un devoir en forme de questionnaire. Alors, je clique ici. Ok. Alright. Alors, vous avez vu que automatiquement, il y a eu un dossier, un fichier Google Form qui est ouvert ici. Ok. Et si vous nous suivez régulièrement, vous allez suivre que j'ai fait une vidéo sur comment utiliser Google Form. Alors, c'est pratiquement la même chose. Ok. Alors, Google Classroom prend toutes ces ressources de Google et les met ensemble dans une seule plateforme que nous pouvons utiliser pour nous faciliter la tâche, c'est ça. Alors, moi, j'ai choisi de travailler d'abord avec un questionnaire. Alors, c'est pourquoi nous avons l'option Google Form ici. Mais je pouvais aussi tirer un dossier de Google Drive. Je pouvais même tirer une vidéo sur YouTube ou encore si j'allais sous créer ici, vous allez voir que je peux créer un document Google Doc, Google Slide, Google Sheet, Drawing ou encore formulaire. Alors, nous sommes en train de travailler avec formulaire ici. Oui, je peux aussi importer un document. Par exemple, si vous avez les épreuves existantes, vous pouvez aussi numériser les épreuves et les tirer ici. Alors moi, je vais me référer à mon test ici et je vais voir comment, qu'est-ce que je vais mettre. Alors ici, je vais d'abord donner un titre à mon activité ici et je vais l'appeler Histoire et géographie du Togo. Alors je copie ça comme ça et puis je mets ça sous titre. Et puis maintenant, je vais mettre les instructions. Et une fois, je retourne encore sur mon document. Et ici, je vais dire lire. Je vais d'abord copier. Et je colle ça sous instructions. OK. Lire l'article et répondre aux questions suivantes. Alors, je peux mettre ça en relief. OK, c'est bon. Maintenant, les questions, je vais les mettre sous ce document ici. Alors, je vais maintenant mettre l'article que les élèves vont lire. Alors, j'ai aussi préparé ça ici. Alors, si je retourne. Alors, considérez l'article là comme si c'était ma leçon, ok? Tout ce que je veux que les élèves apprennent aujourd'hui est dans cet article. Alors, j'ai copié le lien de l'article et je viens ici maintenant, je fais joindre. Je vais joindre le lien avec mon cours, c'est tout. Alors, je clique sur le lien et puis je colle ça ici. Et puis je fais ajouter le lien. Ok. Alors vous avez vu que le lien est associé. Ok. Je peux même l'ouvrir et vous allez voir. Ok. Alors voici l'article qui nous parle du Togo, géographie, histoire, tout. Alors c'est un article Wikipédia que j'ai tiré par hasard pour illustrer dans cette vidéo. Alors si vous êtes enseignant, vous saurez exactement ce qu'il faut mettre là-bas. Ok. Alors le but de cette activité, c'est que les étudiants viennent sur cette page, lire cet article et maintenant répondre aux questions que je vais leur poser. Ok, alors je peux fermer et continuer. Alors ici, pour préparer mes questions, je retourne sur Google Forms ici. Je clique comme ça pour l'ouvrir. Et maintenant, je vais utiliser cet écran maintenant pour préparer mes questions. Ok, et je peux reconduire le titre. CTRL V, puis Histoire et géographie du Togo. Ok. Alors la première question, j'ai aussi préparé ça ici.
quelle est la superficie du Togo. Alors, je copie ma question, copier, et puis je la colle ici. Et puis maintenant, je vais utiliser ici pour faire un choix multiple. Quelle est la superficie du Togo? Ok, je pouvais. Bon, ok, alors je mets les choix. Bon, voyez, les réponses seront à choix multiple. Alors je peux coller celui-ci. Bon, je peux faire la même chose ici et peut-être modifier. Alors voici mes options. Si vous ne savez pas comment faire ceci, ce n'est pas aussi compliqué parce que j'ai aussi fait plusieurs vidéos sur cette chaîne expliquant comment créer des formulaires avec Google Form. Au fait, c'est pratiquement. Alors je mets les options. Moi, je connais la bonne réponse ici, mais je vais laisser mes étudiants venir choisir. Ok. Ok, c'est bon, voici mes quatre choix ici. Et puis je peux faire corriger pour que je puisse mettre la note en même temps. Alors si je fais ce corriger, je peux décider combien je peux donner à cette question. Alors moi, je vais dire que 2 points pour la bonne réponse. Ok, maintenant j'ai choisi 2 points, alors je vais aussi choisir la bonne réponse ici. Ok, alors cette réponse, si la personne lit d'abord l'article, tout ceci serait dedans et puis il peut trouver la bonne réponse. Alors je vais terminer. Ok, alors nous avons fait la première question, je peux aussi la rendre obligatoire. Et puis je vais aussi créer une deuxième. Je fais la même chose, ajouter une question comme ceci. Et puis je retourne sur mon document. Et puis je copie la question. Cette fois-ci, c'est. Je vais copier. Laquelle de ces villes n'est pas un chef-lieu de région administrative du Togo? Alors je colle ça ici. Et je fais une fois encore les options. Je peux commencer par Tchévi et ajouter Sokodé, ajouter Kara, ajouter peut-être Lita. Ok. Et maintenant, la question c'est laquelle de ces villes n'est pas un chef-lieu de région administrative au Togo. Et maintenant, je fais corriger et je choisis la bonne réponse. Et puis, je donne aussi le point. Si aussi c'est 2 points pour la bonne réponse. Terminé. Et je prépare la troisième question. Même chose. Copie. Et puis, je fais créer une question. Puis je colle la question. En quelle année le Togo a eu son indépendance? Et maintenant je mets les options. Je peux peut-être commencer par 1885, 1990 ou 1960. Et je vais terminer avec 2005. Okay. Alors si l'apprenant lit d'abord l'article, il n'aura pas de souci à trouver la bonne réponse ici, c'est tout. Ok, je peux encore corriger et je choisis la bonne réponse. Et je note ça aussi en même temps. Je donne aussi 2 points pour la bonne réponse. Et je fais terminer. Alors ici au total, j'ai 3 questions. Alors je vais ajouter encore 2 et on va continuer. Alors je retourne sur mon test et la troisième question. La quatrième question ici, c'est quelle est la population de la ville d'Aneho? Alors, je copie la question. Je retourne sur mon document Google Form et je fais créer. Et maintenant, je colle la question. Et puis maintenant, je mets la réponse. OK. Alors, moi, je vais copier d'abord la bonne réponse. Et je vais la coller quelque part et je vais aussi la recoller quelque part et maintenant modifier. C'est la même
quelque chose. Ok, c'est bon. Alors, ce sont mes options. Alors, bon, je peux maintenant continuer et enregistrer. Je vais encore vérifier. Ok, c'est bon. Ok, alors ici, si je vais sous corriger. Je choisis la bonne réponse. Et puis, je donne aussi la note ici en même temps. Alors, je donne 2 points. Ok, je fais terminer. Ok, alors je vais passer à la dernière question. Vous voyez, le total ici me fait 8 points. Or, moi, j'aimerais faire 10 points. Alors, je passe à la dernière question. Je retourne sur mon document. Et puis, voici la question. Je fais copie. Et puis, maintenant, ici, je vais encore ajouter une question. Je colle la question et je crée les options. Ok, alors je peux commencer par je vais aussi une fois encore consulter la bonne réponse ici. Bon, et moi je peux mettre n'importe quoi je veux ici. Bon, peut-être je vais commencer comme ceci. Alors je vais dire 986 km. Ou encore 2530 mètres ou encore 885 mètres ou encore bon, je peux mettre la bonne réponse en bas. Ok, c'est bon. Maintenant, si j'aime ce que je vois, alors je vais encore aller sous corriger. Et puis, je choisis la bonne réponse. Et puis, je donne la note. Ça fait encore 2 points. Ok. Vous allez voir que le total fait maintenant 10 points. Et je fais terminer. Ok. Alors, mes chers amis, nous venons de finir la conception de notre exercice. Alors, je vais aussi profiter en même temps pour laisser une case en haut où les élèves peuvent aussi créer et écrire leur nom. Ok, ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas obligatoire parce que ça serait dans leur compte, mais c'est une bonne idée si l'enfant aimerait un jour imprimer ceci et aller montrer à ses parents. Alors c'est toujours bon d'avoir leur nom en haut. Ok, alors si je revenais ici, je peux faire encore ajouter une question. Et bon, vous voyez que la question est en bas, mais ce n'est pas un problème parce que je peux seulement tirer ça et déposer en haut. Et ici, au lieu de choix multiple, je vais faire réponse courte et puis je vais écrire ici non. Ok, et je peux aussi bon multiplier celui-ci. Ok, et ça sera aussi une réponse courte et je vais peut-être mettre un prénom. Ok, et je peux faire ça aussi obligatoire si je souhaite. Comme ceci. Ok, alors c'est tout. Voici l'exercice que j'ai préparé pour l'enfant. Et alors, une fois que l'enfant finit de lire ou l'apprenant finit de lire l'article, voici l'exercice qu'il va suivre. Ok, alors je peux aller sur l'aperçu et vous allez voir ça dans Google Form en ligne. Ok, alors c'est ça. Ok. Alors, quand l'enfant finit de lire l'article, il peut cliquer sur le lien, ça va s'afficher comme ça. Et il peut maintenant venir ici pour résoudre ce petit devoir et envoyer la réponse. Ok. Moi, j'ai fini avec ceci, je vais fermer. Et on retourne maintenant dans Google Classroom. Ok, alors j'ai mis, voici l'article, l'enfant va lire l'article et maintenant revenir ici pour traiter, l'évaluation. Alors si je clique encore, peut-être je vais profiter aussi pour nommer ça parce que c'est possible que j'ai plusieurs exercices. Alors si je copie ça comme ça, je peux peut-être renommer ça. Si c'est pour renommer le document, ok. Alors je peux coller ça aussi là-bas, ok. Et c'est bon. Je ferme, ok.
Alright, alors c'est bon. Quand je vais rafraîchir, vous allez voir que ça va aussi changer de nom ici. Maintenant, ce qui est très important, c'est que nous allons, je vais passer à comment je vais distribuer ça. Alors, voici le cours. On dit le cours est créé par cours de vacances, c'est-à-dire notre salle de classe. Et c'est créé pour qui? C'est créé pour tous les élèves. Alors, ici, vous allez voir que j'ai deux élèves. Alors, quand je finis ceci et j'envoie, ces deux élèves vont avoir une copie de ce cours. Ils vont lire l'article et ils vont répondre aux questions et moi je peux les noter. Ok, alors c'est comme ça. Maintenant j'ai fait ça sur combien? J'ai fait ça sur je peux choisir de ne pas noter ça, mais je vais, comme j'ai déjà noté ça de l'autre côté, alors je vais dire que j'ai fait ça sur 10 points. Ok, vous voyez. Et ici maintenant je peux mettre la date limite. Quand est-ce que je veux que les enfants, bien les apprenants, traitent cet exercice et soumettre? Alors je viens ici et je choisis. Ok, il y a une date limite et je vais leur donner une semaine pour le faire, ok? Et je peux aussi préciser l'heure. Alors je vais dire que déjà à 23h59, le 29 juin 2022, j'aimerais recevoir la copie de leur travail. Ok, alors je cesse comme ça. Ok, maintenant je peux aussi donner un thème. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est bon, surtout si vous faites plusieurs disciplines. Alors ici, je vais profiter pour lui dire que cet exercice fait partie de nos cours de histoire et géographie. Alors je colle ça aussi comme ça. Peut-être que je n'ai pas besoin de YouTube aussi. Alors c'est un thème pour histoire et géographie. Ok, alors c'est bon. Maintenant je vais passer à la grille d'évaluation. C'est important. Alors l'enfant va voir déjà que s'il répond à telle question, il aura telle note. Alors je clique maintenant et je vais créer une grille. Ok, si j'avais déjà une grille, je pouvais la réutiliser, mais comme c'est la première fois, alors je vais d'abord aller sous créer la grille d'évaluation. Ok, c'est simple. Je vais maintenant simplement mettre les critères que je vais utiliser. Alors je vais, comme c'est 5 questions, alors je vais écrire le critère numéro 1, c'est question 1. Ok, maintenant si l'enfant traite question 1, je vais copier ça pour utiliser en bas. Si l'enfant traite question 1, il aura 2 points. Vous voyez? Ok, et ça c'est le premier critère, ça. S'il traite question 1, il aura 2 points. Vous allez voir que c'est marqué ici 2 par rapport à ce que j'ai choisi sous point ici. Alors si je continue, je fais ajouter un autre critère et je fais la même chose, je colle et je dis que s'il traite question 2, il aura aussi 2 points additionnels. Vous voyez que 2 points sont sortis. Et je mets encore troisième critère et s'il traite question 3, il aura aussi 2 points. Et bon, quatrième option, s'il traite quatrième question, s'il traite 4, alors il aura aussi 2 points. Et maintenant je vais aussi mettre le cinquième critère, s'il traite question 5, il aura aussi 2 points. Vous pouvez varier ces critères. Moi, je les fais uniquement pour que la vidéo soit aussi simple que possible. Ok, c'est tout. Alright. Alors, vous allez voir qu'au total, c'est revenu sur 10. Alors, s'il traitait toutes les questions, il aura 10 sur 10. C'est tout. Ok, maintenant, j'ai fini ma grille d'évaluation pour histoire et géographie du Togo. Alors, je fais enregistrer. Ok, alors nous avons pratiquement fini. Voici ici, j'ai créé le devoir. D'abord, il faut lire l'article et maintenant répondre aux questions ici. Ok, et si vous répondez à toutes les questions, vous aurez 10 points et vous avez jusqu'au 29 juin à 23h59 pour soumettre vos réponses. Ok, c'est bon. Alors, si je suis d'accord, je peux venir ici et publier le devoir. Ok, voici les options qui sont disponibles. Je peux publier le devoir en même temps ou encore je peux le programmer. Si je le supposais que j'aimerais que les enfants traitent ceci le week-end, je ne suis pas obligé de leur donner ça le mardi. Je peux attendre et maintenant le vendredi après-midi, je peux programmer ça pour que ça puisse partir le vendredi après-midi. Et maintenant, aussitôt qu'ils sont à la maison pour le week-end, ils vont voir ça. Ok, même moi, je vais publier ça en même temps pour le but de cette vidéo.
Alors je fais publier le devoir. Alors automatiquement, le devoir est publié, ok? Et si je revenais sous mon fil d'actualité ou encore sur le flux, vous allez voir que on nous dit ici que M. Dominique Adabi a publié un nouveau devoir, ok? Alors ce que vous voyez ici, c'est disponible chez tous les élèves, ok? Si je clique ici, vous allez voir que ça va s'ouvrir. Et ici maintenant, on m'explique que j'ai publié ça pour deux élèves. Et bon, ils n'ont pas encore traité, et quand ils vont traiter, je vais aussi voir ça ici. S'ils traitent et ils soumettent, alors je vais voir que bon, ici ça va changer, on va lui dire deux personnes ont remis, ok. Maintenant j'ai seulement attribué à deux, ok. Alors en attendant que mes élèves n'aillent et répondre à leurs questions, bon, permettez-moi de minimiser ceci. Comme j'ai deux élèves, j'ai mon assistante qui est dans son bureau, sûrement qu'elle va aussi recevoir un email maintenant lui disant qu'il y a un exercice pour elle. Alors elle ou elle va traiter pour elle, mais moi je vais profiter pour traiter pour l'autre élève ici, simplement pour vous montrer comment ça se passe. Alors je vais retourner dans le compte de l'étudiant que j'avais ouvert, c'est-à-dire celui-ci, et puis je l'ouvre encore. Vous allez voir que si je actualise encore, alors la même chose comme vous avez vu sous le flux de l'enseignant, alors, je peux les mettre même côte à côte pour que vous voyez mieux. Alors ça c'est mon compte enseignant, et ça c'est, bon je peux même retourner si vous allez mieux voir. Alors ça ce que vous voyez ici c'est dans mon compte enseignant, et ce que vous voyez ici c'est dans mon compte élève, vous voyez. Alors c'est pratiquement la même chose pour la première page. Alors tout ce qu'il écrit, moi je vois, tout ce que moi j'écris, lui aussi il voit. Vous allez voir que la seule différence entre ces deux écrans c'est que moi en tant qu'enseignant j'ai aussi l'onglet pour les notes, et lui il n'en a pas, c'est tout, okay? Sinon c'est fil d'actualité ou encore flux et travaux et devoirs, c'est la même chose ici, ok, participants, ok, mais lui il n'a pas notes, ok. Alors je vais agrandir l'écran de l'étudiant pour que je puisse rapidement accéder aux devoirs soumis et le traiter. Je pouvais le faire à partir d'ici, ou encore je pouvais aller sous travaux et devoirs. Ok, alors voici histoire et géographie, et sous histoire et géographie il y a un devoir appelé histoire et géographie du Togo. Alors je l'ouvre et voici les instructions, tout ce que j'avais programmé de l'autre côté, c'est ça qui est affiché ici. Vous allez voir, lire l'article et répondre aux questions suivantes, et puis je peux faire afficher le devoir, ok. Alors sur cet écran, l'enfant, l'apprenant sait déjà que s'il répond à une question, voici les notes qu'il va recevoir et voici son lot de travail ici. Alors d'abord, il va lire l'article qui est ici et maintenant retourner ici, répondre aux questions. Et quand il finit de faire tout ceci, alors il va revenir sur cet écran et maintenant cliquer ici pour dire marquer comme terminé, pour que l'enseignant puisse aussi avoir une copie de son travail. Ok, alors premièrement, je vais ouvrir l'article. Ok, alors voici l'article. Alors supposé que j'étais élève, je vais prendre mon temps, je vais le lire calmement, bien comprendre. S'il y a des nuances, je passe mon temps clairement, je lis l'article, et quand je pense que j'ai vraiment lu l'article et je comprends tout ce qui est écrit ici, alors je retourne sur ma classe ici, et maintenant je vais ouvrir l'exercice. Voici. Ok, alors voici l'exercice que j'ai préparé, et puis je peux maintenant remplir ceci rapidement. Alors je vais aussi le faire. Alors je vais mettre son nom ici, je lui ai donné le nom Komi Dovi. Alors je fais la même chose ici, mon c'est Komi, prénom c'est Dovi. Et puis la première question c'est quelle est la superficie du Togo, ok. Et puis maintenant je peux choisir la bonne réponse, ok. Et si je connais, je choisis. Si je ne connais pas, bon, alors je pense que ben moi je vais choisir ceci, ou encore si je ne retrouve pas la question ici, en tant qu'un bon élève, alors je retourne sur l'article, je parcours
pour voir où est-ce qu'on a parlé de la superficie. Et puis maintenant, je peux copier et coller. Ok, vous voyez ici, le Togo est un pays africain de 56 785 km². Alors clairement, je vois que c'est la superficie du Togo. Alors je retourne sur mon document ici et puis je colle. Ok, voilà, c'est tout. Alors c'est 56 785. Alors je tourne pour voir s'il y a cette réponse ici. 56 785. Alors c'est la bonne réponse, je crois. Et je laisse ça comme ça. Ok, maintenant je reviens ici. Laquelle de ces villes n'est pas un chef-lieu de région administrative du Togo? Ok, et puis bon, si je connais, alors je choisis, je pense que ça serait celle-ci. Ok, maintenant ici, en quelle année le Togo a eu son indépendance? Alors est-ce que c'est en 1885 1990 1960, ou encore 2005? Je pense que c'est que par rapport à ce que j'ai lu, je pense que voici la bonne réponse. Ok, maintenant quelle est la population de la ville d'Aniho? Je peux encore retourner ici, vérifier pour voir si je peux trouver cette question ou si je pense que je le connais. Alors je remplis. Ok, alors je retourne ici. Ok, ça, voici la bonne réponse. Ok, alors si l'élève prend son temps, il lit, il n'y a pas un problème, il peut répondre à toutes ces questions. Ok, alors c'est une autre manière d'enseigner, c'est ça qui est important. C'est pourquoi je fais ces vidéos et je prends mon temps, je les explique aussi clairement que possible. Ok, quand on dit d'apprendre d'une manière virtuelle, au fait c'est de ça que nous parlons. Ok, le professeur n'est pas obligé d'être ici, voici le matériel, l'enfant lit et s'il comprend il répond, c'est tout. Ok, alors ici je vois que c'est 49 716 habitants. Alors je retourne voir s'il y a ça quelque part ici. Ok, voici la bonne réponse. Ok, c'est bon. Maintenant, ici, quelle est l'altitude maximale du mont Agou? Et puis, même chose, je peux retourner dans mon document ici, vérifier, trouver la bonne réponse. Ou si je pense que je connais, je vais mettre. Ok, est-ce que c'est 985 km? Je ne crois pas. Bon, et puis je pense que c'est la bonne réponse. Ok, alors si j'ai répondu à toutes ces questions et je sais que c'est bon en tant qu'élève, alors je peux maintenant envoyer. Ok, et quand j'envoie, ok, ça c'est parti. Ok, et si je voulais voir comme c'est déjà noté avec Google Form, alors je peux aller sur afficher la note pour voir. Ok, ici je vois que j'ai déjà obtenu 10 sur 10, alors j'ai eu toutes les bonnes réponses. Ok, ce qui est bon. Alors je peux maintenant fermer. Je peux fermer et fermer celui-ci aussi. Ok, maintenant je n'ai pas encore fini mon exercice parce que ce que j'ai fait est seulement de mon, sur mon ordinateur. Alors si je peux maintenant dire à mon enseignant que j'ai fini. Alors pour le faire, c'est simple, je reviens ici et puis je vais sous marquer comme terminé. Alors vous voyez, je suis toujours dans mon compte étudiant et je vais aller sous marquer comme terminé. Je pouvais aussi envoyer un petit commentaire pour bon, dire un mot à mon enseignant. Alors je peux peut-être dire que merci monsieur. Ok, et si j'envoie ça, vous allez voir que ça c'est un commentaire privé, ça ne sera pas sous le flux, mais ça serait uniquement associé à cet élève, mais l'enseignant va voir ça. Ok, alors merci monsieur et puis marqué comme terminé. Alors je soumets mon devoir. Ok, marqué comme terminé. Ok, c'est tout. Et si je remarquais que j'avais fait une erreur avant que la date clôture de l'exercice n'arrive, je peux toutefois annuler cette remise et faire encore. Ok, mais bon, j'ai déjà fait. Ok, alors c'est bon. Maintenant, je vais encore réduire cet écran et je vais retourner sur l'écran de l'enseignant. Et si je actualise encore mon ordinateur ici. Ok, maintenant je vais retourner sur travaux et devoirs pour voir combien d'élèves ont déjà soumis leur devoir. Ok, maintenant je vais voir qu'il y a sept devoirs ici appelé histoire et géographie du Togo. Je vais l'ouvrir et je vais voir que j'ai deux élèves ont déjà soumis. Ok, alors je vais faire afficher le devoir. Ok, alors voici les deux élèves ont soumis. Ok, alors moi je vais officiellement leur donner leur réponse
leur note. Ok. Alors vous allez remarquer que j'ai fait pour j'ai vu le résultat de cet élève. Bon, d'ailleurs c'est moi qui l'ai fait, mais je n'ai pas vu ce que l'autre a soumis. Et comme je vous avais dit aussi pour commencer, tout ceci est enregistré dans Google Drive. Alors je peux accéder à Google Drive pour voir ce que le deuxième élève a fait. Alors pour le faire, c'est simple, je reviens sous ici. Je pouvais l'accéder même à partir de l'interface ici, mais je vais aller ici pour que vous voyez que tout est lié. Alors si je vais sur Google Drive comme ça, alors je vous voici le dossier Classrooms. Ok. Alors si j'ouvrais ce dossier, tous les travaux que nous sommes en train de faire sont enregistrés ici. Alors cool, alors voici la fiche. Et maintenant si je vais sur réponse, okay. Alors voici les résultats que les élèves ont soumis. Alors je peux aller sur individuel pour que je puisse les voir. Alors voici cet élève Agbeli qui a soumis. Alors je vérifie aussi pour voir si elle a trouvé toutes les bonnes réponses. Alors je suis en train de voir, je vois qu'elle a tout trouvé. Alors 2 points, 2 points, 2 points, 2 points, le total a fait 10 ici. Alors c'est bon, je suis convaincu que elle a fait le devoir. Ok, alors c'est son seule note ici. Je pouvais aussi aller sur le suivant et vous allez voir, ça c'est Komi Edovi, celui que j'ai fait moi-même, et c'est la même chose, lui aussi il a trouvé toutes les bonnes réponses. Ainsi dit, je peux fermer et aussi fermer Drive. Et maintenant retourner ici, et maintenant sous Agbeli, maintenant je peux dire que bon, comme elle a bien réussi, alors je vais lui officiellement l'accorder ses points. Alors je fais 2 points, vous voyez qu'automatiquement c'est clair ici que elle a fait la première question et elle a eu 2 points sur 2. Alors je fais 2 points encore ici, je fais 2 points, je fais ici 2 points et 2 points. Ok. Et je peux aussi laisser un commentaire ici. Vous voyez, c'est un commentaire privé. Okay. Alors, je peux lui dire que bien fait. Et cette fois-ci, c'est elle seule qui verra ce commentaire. Okay. Parce que c'est comme vous notez sur la feuille de l'étudiant, quoi, c'est tout. Okay. Alors, c'est bon. Je peux envoyer. Okay. Et vous allez voir que maintenant, c'est marqué ici. Bien fait. Okay. Et elle a tout réussi. Ok, alors je peux rendre la copie à l'élève, et maintenant l'élève sera va voir mon commentaire et il saura que elle a fini bon avec cette évaluation et tout est bien passé. Alors donc je peux corriger tout ça à la fois et maintenant retourner sur pour rendre, peut-être je vais faire ça comme ça. Ok. Alors pour cet élève aussi, lui aussi il a tout trouvé. Alors je fais la même chose. 2 points, 2 points, 2 points, 2 points, 2 points. Et puis c'est lui qui m'avait dit merci monsieur de l'autre côté. Alors je lui dis aussi que bien fait. Ok, c'est bon. Et j'envoie aussi. Et maintenant vous voyez, j'ai sélectionné les deux, vous voyez, je vais encore les sélectionner. Remis tout. Ok, alors maintenant je peux aller sur rendre. Alors les élèves auront officiellement la copie de ces notes et je fais rendre. Ok, alors les deux, voici, je vais renvoyer le devoir à ces deux étudiants, à savoir Déborah et Komi, et les deux ont eu 10 sur 10, je fais rendre. Alors je ne fais absolument rien de nouveau ici. Si vous êtes enseignant et vous avez vos élèves dans la classe, c'est ce que vous faites chaque semaine, ok? Mais moi je vous dis aujourd'hui que vous pouvez le faire à travers votre ordinateur. Ce n'est pas nécessairement être dans la salle de classe, ok? Vous pouvez, les élèves peuvent résoudre, traiter ces devoirs sur leur portable, les soumettre, vous allez corriger ça et leur rendre leur copie. C'est aussi simple que ça. Ok. Alright. Alors si je retenais sur le cours de vacances ici, vous allez voir que il n'y a plus d'exercices. Le seul qui avait, ils ont traité ça. Ok. Et c'est tout. Ok. Je peux aussi vous faire un deuxième exemple rapidement pour que vous voyez. Celui que nous avons fait pour commencer, c'était un exemple avec un cours, avec un devoir en forme de questionnaire. Mais je peux retourner encore sous travaux et devoirs. Et ici, maintenant, nous allons encore créer une autre leçon. Ok, pour que vous voyez qu'il y a plusieurs manières de le faire. Alors, nous allons créer une autre leçon.
et nous allons aussi l'envoyer à nos étudiants et ils vont aussi traiter, soumettre, et je vais aussi corriger ça pour que vous voyez. Ok, alors cette fois-ci nous retenons encore sur créer, et au lieu de créer questionnaire, je vais simplement créer un devoir, et vous allez voir comment ça va se passer aussi. Devoir, ok. Et ici, bon, je vais d'abord me référer à mon test ici pour voir comment je l'ai préparé. Alors pour l'exemple deuxième que j'ai préparé ici, j'ai appelé ça informatique. Alors je vais simplement copier ça. Bon, j'ai appelé le thème informatique, alors je vais copier ça. Mais le titre du devoir même, c'est comprendre l'Internet et le World Wide Web. Alors je copie ça comme ça. Et je colle ça sous titre ici. Et maintenant sous instruction. Qu'est-ce que je veux que les étudiants fassent aujourd'hui dans dans ce devoir? Alors c'est très simple, je copie les instructions ici, copier, et puis je colle ça ici, ok, je mets ça en relief, alors gras, et puis italique. Ici maintenant je dis regarder la vidéo et répondre aux questions suivantes. C'est aussi simple. Alors j'ai préparé une vidéo que j'ai mis sur YouTube, et la vidéo parle de l'Internet et le World Wide Web. Alors je vais venir ici sous joindre maintenant, je vais aller sur YouTube, appeler la vidéo, et maintenant les élèves vont suivre la vidéo comme si c'était l'enseignant qui parlait, et maintenant ils vont prendre leurs notes, et quand ils finissent, ils vont maintenant revenir et répondre aux questions que je vais préparer aussi pour eux. Alors on commence. Je clique maintenant sur YouTube pour que je puisse parcourir et chercher la vidéo. Alors la vidéo, je l'avais aussi titrée sur YouTube comprendre l'Internet et le World Wide Web. Alors je clique ici et puis je cherche la vidéo sur YouTube. Ok, alors voici la vidéo, elle est sur notre chaîne YouTube. Alors moi je vais simplement l'appeler dans ma salle de classe. Ok, alors voici la vidéo, ok, comprendre l'Internet et le World Wide Web. Je peux jouer ça un peu pour que vous aussi vous voyez. Comprendre l'Internet et le World Wide Web. Exemple Netflix. Mise à jour des logiciels. Adresse unique appelée URL ou simplement un lien. Tandis qu'un site web est un dossier avec une collection de plusieurs pages web contenant des informations. Ok, alors voici la vidéo. Ok, cette vidéo est un cours. Ok, c'est un cours sur l'Internet et le World Wide Web. Alors je vais faire écouter mes élèves cette vidéo, et maintenant quand ils finissent, ils vont retourner répondre à mes questions. C'est tout. Alors je fais ajouter une vidéo. Ok, alors voici la vidéo est maintenant appelée dans mon document ici. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant créer les questions. Ok, et c'est simple. Je vais sous-créer, et maintenant je vais choisir Docs. Google Docs est l'équivalent de Microsoft Word. Ok, alors c'est un logiciel de traitement de texte. Alors moi je vais ouvrir le logiciel de traitement de texte et je vais créer mes questions là-bas, et les élèves maintenant peuvent remplir ça directement, et une copie serait enregistrée dans Google Drive et que moi je peux voir, et maintenant leur donner leurs notes. C'est aussi simple que ça. Alors je fais Docs. Alors voici, le document est en train d'être créé. Voici, c'est ouvert directement dans Google Docs. Alors voici l'interface de Google Docs. D'ailleurs j'ai fait plusieurs vidéos aussi sur cette chaîne vous expliquant comment ceci travaille. Alors comme je vous dis, utiliser Google Classroom, ce n'est que la synthèse de toutes les applications de Google. Alors tout ce que vous avez appris sur cette chaîne, comment créer un document, Docs, Sheet, Slide, vous pouvez maintenant incorporer toute cette notion dans Google Drive, et maintenant enseigner vos élèves avec. Ok, alors je vais renommer le document ici, et je vais simplement aussi l'appeler comprendre l'Internet et le World Wide Web. Ok, alors c'est le titre du document, et puis maintenant ici, bon, je vais d'abord insérer l'entête. Et sous l'entête maintenant, je vais aller sous insertion, et je vais insérer un tableau et je vais l'utiliser pour demander le nom et le prénom de l'élève. Alors j'ai choisi 6 cases comme ça sous tableau, vous voyez, et puis maintenant je peux d'abord écrire et arranger plus tard. Je vais commencer avec notes, et puis prénom, et puis nom,
Ok. Alors, une fois encore, je ne suis pas obligé de faire ceci, mais c'est seulement utile si je pense que peut-être l'enfant va peut-être imprimer le document plus tard. Ok. Alors, je vais garder ça ici. Et puis, je tire aussi celui-ci. Et maintenant, je termine le nom. Ok. Alright, je pense que c'est bon. Ok. Et je vais. Si, ok, c'est bon. Alors, vous voyez, peut-être là où ça est, il y a trop d'espace ici. Alors, je peux aller sur option de l'entête et je vais aller sur format de l'entête. Et puis, peut-être, je vais supprimer les marges en haut. Alors, je mets 0. Appliquer, vous allez voir que ça va durer. Ok, alors voici mon document. Ce que je vais faire, c'est penser ceci, penser à ceci comme une feuille RAM, ok, A4, c'est tout. Alors moi, je vais utiliser ceci pour créer les preuves, ok, les preuves que les enfants vont traiter. Ok, heureusement, j'ai déjà préparé tout. Alors je retourne ici et voici les questions que je vais demander, je vais poser à mes élèves. Ok, alors d'abord, je copie toutes les questions. Et maintenant, je peux mieux les arranger de l'autre côté. Alors, je vais copier. Okay. Et ici, peut-être, je vais d'abord mettre le titre. Et je vais écrire évaluation. Ok. Alors, je vais copier, sélectionner ça. Et je vais changer le style. Je vais mettre ça peut-être en titre 1. Vous voyez? Ok. Alors, c'est bon. Maintenant, je vais coller les questions que j'ai copiées. Ok, voici les 5 questions que j'ai copiées. Alors, je vais faire ça de sorte que les élèves soient en mesure d'écrire dans le document. Ok, au fait, quand je les soumets, la machine va les faire leur propre copie et maintenant ils peuvent remplir dans les. Dans le document en même temps. Alors la meilleure manière, c'est d'insérer un tableau sous chaque question et je peux le faire comme ça. J'ai créé l'espace ici. Alors si je retournais sous insertion, je vais aller sous tableau et cette fois-ci je vais insérer un tableau avec une seule case comme ça. Vous voyez? Ok, c'est ça. Et je fais la même chose pour les autres questions. Supprimer, insertion, tableau, une case. Vous voyez, et troisième question, insertion, tableau, une case. Quatrième question, insertion, tableau, une case. Ok, alors vous pouvez créer tout ce que vous voulez ici. Si c'est un schéma, tout ce que vous voulez faire, vous pouvez le créer ici. Ok, ce n'est qu'un document Word. Ok, si je peux l'appeler ainsi. Alors vous n'êtes pas limité avec le bic et le papier. Ok, vous pouvez faire tout directement avec un logiciel informatique. Ok, alors voici mon épreuve, c'est tout ce que je veux que les enfants traitent. Alors au fur et à mesure que l'enfant remplit, d'aller voir, comme c'est un tableau, ça va aussi s'agrandir de soi. Alors au fur et à mesure que les enfants remplissent, bon, je vais faire undo parce que j'avais fait une erreur. Ok, alors au fur et à mesure que les enfants remplissent, vous allez voir que les cases vont aussi s'agrandir. Alors ce n'est pas un problème, vous pouvez laisser ça même ça, mais pour des raisons d'esthétique, je vais essayer d'agrandir ça un peu, mais ce qui compte, donc, c'est que les enfants pourront remplir ça. Ok, c'est tout. Alors moi, j'ai fini de préparer mon document, mon épreuve ici, et j'ai appelé ça évaluation. Et le nom du fichier, c'est comprendre l'internet et le World Wide Web. Je ne suis pas obligé d'enregistrer parce que tout est enregistré automatiquement dans Google Drive, vous voyez. Alors si c'est fini, je ferme ici et puis maintenant je reviens ici. Vous voyez, c'est le document que j'ai créé. Ok, bien sûr, ici c'est encore listé que sans titre parce que j'ai fait ceci avant d'aller là-bas, mais si je rafraîchissais, vous allez voir que le nom va changer ici. Mais ce qui est très important, nous avons, je peux passer ici pour configurer le temps de soumission et autres. Mais avant ça, ce qui est très très important ici, c'est que ici, comme c'est un document Docs ou bien Word et les enfants vont traiter ça, c'est très important que vous insistez que
ils reçoivent, que les élèves puissent faire leur propre copie. Parce que si vous envoyez ça simplement comme par exemple modifié par les élèves, ce qui veut dire que tout le monde va travailler sur le même document. Alors vous allez voir que les élèves seront obligés d'effacer les réponses des autres pour écrire les leurs. Vous voyez, ça devient un désordre. Okay? Dans ce cas, c'est tellement important. En fait, c'est sur ce point, je ne saurais comment mieux vous l'expliquer. Alors quand vous créez quelque chose comme ça, si c'est un document que vous voulez que les enfants travaillent sur ça directement, alors, sur les options ici, vous venez et puis vous choisissez faire une copie par élève. Vous voyez? Alors, s'ils sont même 100 élèves, tous les élèves, tous auront une copie chacun, ok? Alors, vous voyez qu'avec ceci, vous épargnez beaucoup d'argent. Vous n'êtes pas obligé d'écrire, imprimer, photocopier, faire des erreurs, recommencer. Il suffit simplement de dire faire une copie. Et c'est fini, la copie va aller à vos élèves. Ils peuvent les avoir directement sur leur portable comme sur leurs ordinateurs et les traiter. Et les réponses seront aussi soumises directement. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser l'imprimante. Okay? Tout est fait automatiquement, virtuellement devant vous. Okay? Alors moi, j'ai choisi de faire une copie pour tous les élèves. Alors ici, maintenant, voici, c'est ici que je vais configurer comment je veux que ça sorte. Alors bien sûr, c'est préparé par cours de vacances. Et ça va être donné à tous mes élèves. Alors voici mes deux élèves pour ces exemples aujourd'hui. Il y a Déborah, il y a Komi. Alors Déborah et Komi auront cet exercice. Ils vont d'abord suivre la vidéo et ensuite ils vont revenir traiter ces questions ici. Ok. Alors même chose ici. Je dois expliquer combien je veux noter. Est-ce que je veux noter ou pas noter? Mais moi je vais noter. Alors je vais aussi dire que je vais noter ça par 10 points. Vous voyez? Mm-hmm. Ok, et je peux aussi choisir la date limite. Et pour la date limite, je reviens ici. Puis bon, peut-être je vais le donner jusqu'au 30 juillet. Et je peux aussi leur dire que à 23h59 le 30 juillet, j'ai besoin de leur réponse. Et je laisse ça comme ça. Et maintenant ici, je peux aussi ajouter un thème. Ok. Et le thème, je vais créer un nouveau, comme on avait fait histoire et géographie. Alors je vais créer un thème, cette fois-ci je vais peut-être l'appeler informatique. Mm-hmm. Ok, alors tout dépend de ce que vous enseignez, vous voyez. Et maintenant je vais aussi faire grille d'évaluation. Alors si je clique sur grille d'évaluation, je ne suis pas obligé de créer une nouvelle grille d'évaluation. Je peux utiliser celle que j'avais faite, ok. Comme c'est aussi 5 questions comme l'autre exercice, alors je vais réutiliser la grille précédente. Et maintenant, il va parcourir quelle que je veux. Voici celle que j'avais créée, histoire et géographie du Togo, et il y avait 5 critères pour 10 points. Alors je ne ferai que reconduire ceci en allant sur sélectionner, et c'est tout. Alright, alors mes chers amis, c'est fini. Je viens de configurer un autre cours, c'est un cours d'informatique, et le cours est dispensé à travers une vidéo. Les élèves vont d'abord suivre la vidéo, et quand ils finissent de suivre la vidéo, ils vont revenir sur Google Docs et traiter les questions. Alors si je pense que c'est bon, je peux retourner ici et puis je peux programmer ça, ou encore je peux publier le devoir immédiatement. Je pense que je vais publier ça immédiatement. Alors je vais sous publier le devoir. Alors automatiquement une copie de ce devoir est envoyée à mes élèves, ok, et ils peuvent le traiter. Ok, si moi je retourne par exemple sous flux, vous allez voir que, bon, je vais actualiser. Mm-hmm. Vous allez voir que voici le deuxième devoir que j'ai créé. Alors chaque fois que vous faites une nouvelle activité ou bien vous publiez quelque chose, c'est par ordre, ça va s'afficher ici par ordre chronologique, ok, les anciens en bas et les récents en haut. Ok, vous voyez. Alors c'était le premier exercice que j'avais donné et voici le deuxième. On dit ici que M. Dominique Adabi a publié un nouveau devoir, comprendre l'internet et le World Wide Web. Et les élèves peuvent maintenant cliquer sur ça et l'obtenir. De la même manière, ça c'est ce que nous voyons. Mais avant que je le retourne et traiter ça moi-même, je peux, bon, si j'allais sous activité ici,
vous allez voir, je vous avais parlé de Google Agenda, ok. Alors tout ce que nous faisons ici, c'est lié, ok. Alors si j'ouvrais par exemple Google Agenda, vous allez voir que il y aura les informations sur les cours que j'ai créés. Alors je peux configurer mon Google Agenda avec mon portable pour que chaque fois qu'il y a un nouveau exercice, comme cela me soit envoyé automatiquement. Alors si je vais sous aperçu mensuel ici. Donc ça c'est aperçu de la semaine. Alors si j'allais sur aperçu mensuel ici, ok. Alors vous voyez, c'est le premier exercice que les élèves devaient soumettre le 29 juin. Voici, et c'est le deuxième ici qu'ils doivent soumettre le 30 juin, ok. Alors si je clique ici, ça va s'ouvrir encore dans Classroom. Alors c'est ça. Alors vous pouvez télécharger l'appli Google Agenda sur votre mobile, et puis chaque fois que un de vos professeurs vous donne un devoir de maison, automatiquement vous avez la notification sur votre portable, vous pouvez l'accéder ici. Pas besoin de dire que je n'étais pas au cours, je ne savais pas qu'on a fait ceci, qu'on a dit cela. Ce sont des trucs de 1980. Aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle et vous pouvez faire ces choses-là directement grâce aux outils informatiques comme ce que je suis en train de vous expliquer ici. Alors, ça, ce n'est qu'une parenthèse pour vous montrer comment toutes ces choses sont liées à travers votre Google Classroom. Alors, je vais fermer Agenda et je vais retourner dans le compte de l'étudiant commis et je vais vous montrer aussi comment ça va s'afficher à son côté et comment lui aussi il peut répondre à ces questions. Alors si je retourne en bas, vous voyez ici c'est mon compte étudiant. Alors je vais encore retourner sous cours de vacances. Alors voici sous flux, vous voyez c'est le nouveau exercice que j'ai mis. Je peux l'accéder à travers ici ou encore je vais sous travaux et devoirs. Et voici, ça c'est le premier qu'il a traité, il a soumis et j'ai corrigé, il a eu, vous voyez, c'est noté, celui-là c'est fini, ok. Je peux afficher encore, vous allez voir, mais ce qui nous intéresse c'est le deuxième ici sous informatique. Alors je vais l'ouvrir. Alors regardez la vidéo et répondre aux questions suivantes, ok. Alors je vais sous afficher. Ok, alors bon, tu vas bien sûr d'abord jouer la vidéo, attendre, comprendre ce qu'on a dit. Et maintenant, je vais retourner ici. Voici le document Docs que je vais revenir plus tard pour traiter. Ok, alors ici maintenant, je peux jouer la vidéo brièvement. Comprendre l'Internet et le World Wide Web. Une présentation de Montogo.net. Pour vous connecter à l'Internet, vous devez avoir accès à un fournisseur de services Internet, ISP en anglais. Ces pages sont liées entre elles sous le même nom de domaine. Joue le contenu spécifique. Notez bien. Le web n'est pas la même chose que l'Internet. Le web est l'une des nombreuses applications construites sur l'Internet. Ok, alors supposez que j'ai suivi toute la vidéo et j'ai compris ce qui est là-bas. Alors maintenant, je peux retourner sur mon devoir ici et je vais ouvrir le document. Ça va bien sûr s'ouvrir dans Google Docs comme tout est lié. Et je vais essayer de remplir ceci et envoyer une copie à mon enseignant. Vous allez, ça ce n'est pas la même copie que l'enseignant a fait, parce que l'enseignant a précisé que les élèves reçoivent leur copie individuelle, ok. Alors ici maintenant moi je peux remplir comme je veux et bon, même chose ici, je mets son nom comme Dovi. Alors nom comme prénom Dovi. Et maintenant je peux répondre à ces questions. Alors qu'est-ce que l'Internet? Alors tout ce que vous voyez ici, c'est ça qu'on a expliqué dans la vidéo. Alors si j'ai bien suivi la vidéo, je dois répondre à ces questions sans problème, ok. Bon, moi je ne vais pas perdre le temps parce que bon, c'est moi qui avais préparé ça, alors j'ai déjà les réponses ici. Alors je ne ferai simplement que les copier et coller, c'est tout, ok. Alors première question, c'est qu'est-ce que l'Internet? Alors c'est ça ici. Alors moi je vais simplement copier ça. Copier et puis je colle, et comme je vous dis, c'est au fur et à mesure que je colle, la taille aussi de la page aussi, bon,
ça s'adapte quoi, vous voyez. Alors je reviens, deuxième question, c'est qu'est-ce que le World Wide Web? Alors je retourne ici, supposer que j'avais regardé, compris et puis préparé ce document. Alors je copie encore, copier, et puis je colle ici. Et puis j'enlève l'espace. Bon, si ce n'est pas nécessaire, mais bon, pour que ça soit plus joli à voir, quoi. Qu'est-ce qu'un site web? Je fais la même chose, je retourne. Je pouvais saisir, hein, mais bon, comme j'ai déjà préparé ça ici, alors je copie et je colle. Copier, puis coller. OK. OK. Et quatrième question, quelle est la différence entre la page web et le site web? Alors, je copie. Et puis, je colle. OK. Et puis, cinquième question. Puis, cinquième question. C'est qu'est-ce que un nom de domaine? Même chose, je retourne ici. Je copie. Et puis je colle. OK, c'est bon. Voilà, je peux garder ça sur deux pages ou bien je peux formater ça d'une manière pour que ça reste sur une seule page. Bon, ce n'est pas vraiment nécessaire, mais vous pouvez faire ça comme vous le souhaitez. OK. OK, c'est revenu sur une seule page, je pense que c'est bon comme ça. Et comme je vous dis, quand vous finissez, vous n'êtes même pas obligé d'enregistrer parce que c'est enregistré automatiquement sur Google Drive. Alors, vous voyez ici, c'est écrit « Commis Dovi, comprendre l'Internet et le World Wide Web ». Le document que l'enseignant a créé, c'est le nom « Comprendre l'Internet et le World Wide Web ». Mais comme l'enseignant a insisté que les étudiants aient leur copie, alors voici le nom de l'étudiant et c'est ajouté à sa copie. Vous voyez, c'est très, très utile. Et s'ils sont 1000, vous verrez leur nom et puis leur copie. Ainsi dit, ce n'était même pas nécessaire que je mette ceci ici, mais je l'ai mis pour que si l'enfant, je vais donner la note ici plus tard, pour que si l'enfant décide d'imprimer ceci et amener à la maison, au moins ses parents sauront que effectivement ça vient de lui, c'est tout. Alors je peux fermer ici, comme je pense que j'ai répondu à ces 5 questions. Alors je peux fermer ceci et maintenant je retourne ici en tant qu'étudiant bien sûr. Et bon, je sais que si je répondais à toutes les questions, j'aurais deux points par question. Alors, si c'est bon, je pense que j'ai fini mon devoir. Je peux aussi encore peut-être laisser un petit commentaire à mon professeur. Peut-être que c'est fini. Merci. OK. J'envoie le commentaire. Et puis maintenant, je rends le devoir. OK. Une fois que je rends le devoir, bon, si la date clôture n'est pas encore arrivée, je peux retirer, corriger. Mais si la date limite est partie, alors c'est fini. Alors je fais rendre le devoir. Oui. Alors voici le document. Commis Dovi, comprendre l'Internet et le World Wide Web. Est-ce que je suis sûr que je veux ramasser mon devoir? Si je suis sûr, alors je fais rendre le devoir. Et c'est fini. J'ai fini mon devoir. Je peux annuler, recommencer si je voulais parce que j'ai une semaine pour le faire. Mais bon, comme je suis sûr que j'ai bien répondu à toutes les questions, alors je peux laisser ça comme ça. Alors si je retournais sous cours de vacances dans mon compte, vous allez voir ce qui est à venir. Il n'y a aucun devoir. Okay? Si je ne l'avais pas traité, ici on allait me lister tous les devoirs qui sont disponibles. Okay? De la même manière, si j'étais dans mon Google Agenda, comme j'ai vu aussi chez l'enseignant, si je vais aussi dans le compte de l'élève, alors je verrai aussi exactement ce que lui aussi, bon, les devoirs qui sont là-bas. Okay? Alors je sais que j'explique beaucoup, mais je veux simplement que vous compreniez la facilité dans ces logiciels. Okay? Alors, vous voyez, si c'était sur le portable de l'élève, il sait qu'il avait un devoir pour le 29, pour le 30, mais il a déjà traité les deux. Alors, pas de souci. C'est bon. Alors, je peux minimiser. Bon, d'abord, fermer ce. Dialyser. D'abord, fermer ceci. Et puis réduire cet écran pour que je puisse retourner sur le compte du professeur pour voir si les autres élèves ont déjà soumis et je peux passer aussi à la correction de mon devoir, c'est tout. Alors je fais minimiser, puis je retourne ici.
Ok, puis je peux aller sur... Ok, et si je retournais sur cours de vacances pour actualiser. Alors, je vais aller sur travaux. Ok, alors ici, je vois qu'il y a cours informatique. Et voici, ok, on me dit que des élèves ont remis leur copie. Ok, alors c'est parfait parce que je n'ai que des élèves dans ma classe. Alors, je vais aller voir. Alors, voici la copie de Deborah Agbeli. Et voici la copie de Komi Dovi. Alors, je vais ouvrir la copie de Komi Dovi pour que je puisse vérifier et lui donner ses notes. Ok. Alors, ici, bon, je vais voir. Comme c'est un... Bon, il a écrit... Bon, je pouvais le donner deux sur deux. C'est la première question. Alors, question, voici les critères. Alors, il a répondu, alors je peux lui donner deux sur deux. Mais peut-être je vais dire que bon, il n'a pas bien formaté la page. Ce n'est pas bon, je ne vais pas lui donner toutes les notes. Alors, je vais lui donner un sur deux là-bas. Ok. Et je peux aussi utiliser les commentaires ici pour lui dire pourquoi je lui ai donné un au lieu de deux. Ok. Parce que tout ça là, c'est très très utile. Par exemple ici, vous voyez, je peux aller sur ajouter, je sélectionne comme ça. Et je peux aller sur ajouter commentaire et peut-être je vais lui dire pourquoi, qu'est-ce qu'il a fait de mal là-bas et j'ai soutiré un point. Alors je vais, je ne sais pas parce qu'il n'a pratiquement rien fait, mais c'est un exemple. Alors je vais lui dire peut-être plus d'explications. Alors peut-être il fallait mieux expliquer quoi. Ok. Alors, je vais faire ceci. Alors, lui aussi, il va voir ça. Quand il va recevoir sa copie, il va voir ce que j'ai dit ici. Alors, pensez à ceci comme le professeur prenait le bic rouge et il portait des remarques sur la copie, c'est tout. Ok. Alors, je l'ai donné pour la première question, je l'ai donné un point. Comme vous voyez ici, sous notre, ça va être 1 sur 10. Alors, on continue. Deuxième question. Bon, je ne peux pas être trop méchant envers lui. Alors, je vais lui donner 2 sur 2 pour la deuxième question. Et puis, bon, j'ai la troisième question, je vais aussi lui donner 2 sur 2. Et la troisième, la quatrième question, bon, je vais aussi lui donner 2 sur 2. Et la dernière question, bon, je vais lui donner 2 sur 2. Vous voyez? Ok. Et voici le commentaire qu'il avait fait. Et je peux aussi le répondre ici, si je souhaitais. Ok. Alors... vous allez voir qu'au total, ça fait 9 sur 10. Okay? Il pouvait avoir 10 sur 10, mais ici, parce qu'il n'a pas bien expliqué, alors je lui ai retiré un point. Alors au total, il a 9 sur 10. Vous voyez? Et si je pense que c'est bon, je peux lui rendre sa copie en même temps. Okay? Alors je fais rendre. Alors lui, il aura sa copie et... Bon, vous voyez, l'élève recevra une notification et pourra consulter les notes que vous lui avez attribuées. Alors, pour Komi Dovi, il a 9 sur 10. Ok, alors j'ai fini de corriger le devoir de mon étudiant appelé Komi Dovi et je lui ai remis sa copie. Alors, je n'ai plus besoin de ceci, je peux fermer et je vais retourner voir ce que le deuxième étudiant a fait. Alors, vous voyez ici, noté, vous allez voir que Komi Dovi, lui, il a 9 sur 10, ok. Alright, alors je vais passer maintenant, voici la seule copie qui me reste à noter. Alors, je clique sur ça encore. Ok, même chose. Alors, elle a répondu à toutes les questions. Alors, première question, je vois que c'est bien répondu. Alors, je lui donne les deux points par rapport à mes critères. Et puis, deuxième question, je pense qu'elle a aussi bien répondu ça. Alors, je lui donne deux points. Troisième question, je pense qu'elle a bien répondu. Je lui donne deux points. Quatrième question, je pense qu'elle a aussi bien répondu. Alors, je lui donne aussi deux points. Et puis, cinquième question, bon, sans doute, elle a bien répondu. Je lui donne deux points. Ok. Et je peux lui laisser un petit commentaire. Ce commentaire que je vais envoyer serait privé. Ok. Ça ne serait pas comme dans la file d'actualité pour tous les élèves, mais seulement cet élève pourra voir ce que, bon, ce commentaire. Alors, je peux lui dire que. Thank you.
Ok. Alors, j'encourage un peu cet élève, je lui dis que tu avances très bien, bon travail. Et puis, je fais publier et elle va voir ceci avec sa copie. Ok. Alors, c'est bon. Puis, je pouvais aussi conduire la note ici, dans le cas où elle décidait d'imprimer ceci pour montrer à ses parents à la maison. Alors, je viens ici, je lui donne le 10 sur... Okay. Comme je vous dis, ce n'est pas nécessaire de le mettre ici, mais c'est simplement pour que si l'enfant décidait d'imprimer ceci et montrer. Ok, voici, ça c'est la copie. Même si j'allais, vous allez voir, imprimer. Okay. Bien sûr, je ne vais pas imprimer, mais je pouvais, vous voyez, c'est la copie. C'est exactement comme n'importe quel devoir si vous êtes enseignant. Alors, c'est ce que l'enfant peut peut-être imprimer ou bien mettre en PDF et aller montrer à ses enfants, ses parents à la maison. Vous voyez, voici le nombre, voici 10 sur 10, voici les questions, voici leurs réponses, c'est tout. Ok, mais moi je ne vais pas imprimer parce que franchement je ne vois pas l'utilité d'imprimer les documents 2022. Tout peut être fait virtuellement, alors j'annule. Ok, mais c'est tout, c'est ça. Ok, alors je peux maintenant passer à rendre la copie à l'élève. Alors elle aura une notification sur son portable ou bien sur son compte Gmail lui disant que le professeur a noté son devoir. Alors je fais rendre la copie et c'est ça, elle a 10 sur 10, je fais rendre, c'est tout. C'est bon. Alors si je retourne, maintenant j'ai fini avec cette page, je peux fermer et je peux retourner sur le cours. Et vous voyez maintenant que les deux copies sont corrigées. Okay? Le premier, lui, il a eu 9 sur 10. Et le deuxième, lui, il a eu 10 sur 10. Alors, c'est bon. Ok, je peux retourner encore sur le cours de vacances. Alors, mes chers amis, ce que nous venons de faire ici, je vous ai montré d'abord comment vous pouvez créer un cours avec Google Classroom, comment vous pouvez inviter les élèves à vous joindre, comment vous pouvez créer une leçon et comment vous pouvez aussi créer une évaluation, soumettre ça à vos élèves, les traiter et puis les corriger après.